Nickel. Donc ça c'est réglé. Alors. Bon, bah, bienvenue pour cette partie 8. Non, 9. Partie 9. De la saga Secret of Mana, hein, que je fais sur YouTube, etc. Bon, blablabli, blablabla. Voilà. Allez, moi je veux jouer. Je voulais juste voir marquer Véronique Chantel, hein, en traducteur, toujours. Je veux toujours voir le nom de mon héros. Ah, Chantel, niveau 29. Magnifique. Bon, bah, du coup, j'ai Flabby. Du coup, j'avais joué avec un pote sur deux parties, donc j'avais pas le micro. Il voulait pas que j'abaisse le micro, le monsieur. Et là, il est parti, donc je vais pouvoir enfin reprendre mon micro. Enfin, si c'est pour dire de la merde, autant pas me donner ça. Bon, alors. Upload, non, on upgrade, j'ai dit upload, mais je suis fatigué, j'ai fait déjà plein de pétards. Bon, on va, voilà, on va upload cette merde. Ah, le fouet, bien sûr, ah, c'est mon arme préférée. À chaque fois, on le voit mal parce qu'il est grisé, mais je savais qu'il fallait. Ok, encore le fouet, oh bordel, ah, ça y est, je me sens puissant là. Mais pauvre, je suis pas riche du tout. À moi, Flabby, bordel de merde. Par contre, je sais pas si j'ai sauvegardé après avoir pris le tambour ou avant. Alors, j'ai 4 noix, 2 tambours, 4 chocos, 4 bonbons. 4... Bah, c'est nickel, j'ai tout ce qu'il faut. On se barre. Oh yeah! Je vais augmenter l'encodage de secondes pour voir si ça, je perds pas d'image. Qualité 10. Ce paramètre ne sera appliqué qu'au prochain stream. Super. Oh bah du coup je relance pas le stream, j'ai pas envie. La flemme. Oh bah ce sera moche comme ça, hein. C'est pas grave. C'est bien quand c'est moche. Allez. Je sais pas où il faut aller, mais on prend le tambour. J'ai tellement eu envie de l'avoir là pendant je sais pas combien de jours que voilà, je suis obligé de l'utiliser. Ah bah oui. Bon, il faut Lumina, il faut qui, l'ombre. Je sais pas où je vais, mais je crois que c'est ici il y a l'ombre. Pas sûr du tout. On se barre. Putain. Welcome. Oh merde. Le Fairy Jojo. Parti déjeuner. Bon, ben c'est pas maintenant. On se barre. Oh, mais ben, je crois qu'on va récupérer Lumina. Enfin, j'ai hâte de me faire Secret of Mana 2 après celui-là. J'avais voulu la GameCube, hein, à l'époque, pour acheter Secret of Mana 2. J'ai tellement envie de me le faire en français. Ah, parce qu'en coréen c'était chiant. Bon, on va restaurer. Voilà, si je trouve la petite île de merde, on va restaurer. Oh merde! Alors là, il faut que je trouve un phare, il me semble. Enfin, j'en sais rien, je sais plus, ça fait trop longtemps. Mais je sais que c'est le bordel. Déjà il y a une petite île où on peut restaurer à Kakara de l'eau. Mettre pour être... Ah là il y a l'arbre mana je crois. Ah j'y comprends que dalle. Bon. Hop par là. Ah, c'est une mini île de merde là. Y a pas la planète Terre là. Ah. Ah non, ouais, c'est de la merde. Ah mais j'ai trouvé. Il y a, je sais pas, la boue de la plévo de lapin, je sais pas. Oh lui, je le sens bien. Ouais,
que des lièvres et des mers. Je vais pouvoir enfin restaurer de l'eau. Je sais pas comment on dit. Hydrater. Voilà, un truc comme ça. Hydrater la ville. Non, je ne sais pas, Ah, des nobles qui sont partis se cacher. Je viens d'Empire, l'Empereur et tout. Je me suis réfugié ici avec ma famille. Mais t'as raison. T'es intelligent, toi, au moins. Bon, bah, y a rien. Y a pas un petit coffre. Non. Les enfants sont mariés, mais c'est bien, ça, c'est bien. Ah là là là. Bon, c'est décidé, y'a rien. On se barre. On va aller à Kakara. Parce que je veux changer la musique de Kakara, là. Elle est triste, la musique de la ville de Kakara. Il faut voilà, que ça fasse tibidibidi, tibidi, etc. Rester à côté. Bibi, super. Bon, au moins quand je me fais bibiser, hein. Voilà quoi, je vais être débibisé. Bon, c'est cool, c'est cool, mais on se barre. Allez là, au pif, je crois qu'il y a Lumina, c'est la ville dorée. Ici, il y a du gros stuff, il me semble. Mais bon, l'hôtel, il coule la peau du cul, l'hôtel. Putain, mais j'ai pas d'argent. Merde. Bon, donnez-moi Lumina, et après, voilà, on verra. Voilà, je veux voir le stuff, hein. Ah d'accord. Mais je m'en fous, bordel. Je veux acheter des trucs, je peux pas forger. Putain, vu que je prends. Voilà. Montre-moi ton équipement. Bon, est-ce que c'est bien ça? Ouh, ça coûte la peau du cul, ça m'a l'air bien. Ouh là là. Ouf. Bon, mais je sais où aller, c'est ici que je vais aller. C'est ici que je vais aller m'équiper après un gros farm. D'ailleurs, je vais aller farmer après. Après avoir pris Lumina, bien sûr. Bon, le gars de l'Empire, il va me laisser passer, hein. Tu vas me laisser passer, oui, tu veux. Voilà, il m'a laissé passer. Ah non! Ne me dis pas que c'est fermé. Oh putain! Oh, le noble en haut à droite, il va me donner une réponse. Son entrée est interdite, blablabla. Ok. Je vais leur montrer que c'est pas interdit. Ah, il va falloir gérer que mes boutons. Input de configuration, select, je le mets sur R, et voilà. Non, parce qu'en fait, select, c'est pour changer de personnage, et je préfère le mettre sur la touche R. Comme ça, au moins, je peux courir, faire R, recourir, enfin, si je le fais bien. Ouais, mais je le fais mal. Alors, on court, on change de deux persos, et on recourt. La base, enfin pour les speedrunners, mais moi je fais pas de speedrun. Midas a scellé le palais de lumière
la cité, un espion subtil à la clé de la tour, on l'appréhende, Da Asphidia, et la clé avait disparu, que renferme cette tour? Bon, donc il faut aller à Asphidia, logiquement. Bordel, ça fait chier! Bon, je suis au nord, Asphidia. On va aller au sud, hein. Ah bah oui. Oh, ça a l'air bien, là. Je sais pas ce que c'est, ce truc-là. Je vais aller voir. Normalement, je suis allé à Polera, mais... Tu fais grave enfiler. Mais non, je veux pas aller au nord, bordel de merde. Mais tourne. Voilà, là, ça m'a l'air d'être Asphidia, ça. Je dis pas de bêtises. Hein. Ah mais non, mais je suis revenu dans le même truc. Oh putain, bordel de merde. Oh bordel de merde. Bon ben désolé hein. C'est les tours en flamme. Non mais au moins c'est bien. Voilà, on est sur le dos de Flavi avec sa petite queue qui bouge bien animée. C'est magnifique. C'est de l'art. Voilà. On va chercher comme ça. Je suis revenu hein. Allez, on va au sud-est. Bon, même s'il n'y a rien, on va quand même y aller juste pour dire bonjour. Là, il y a Dryade, mais c'est le dernier élément qu'on a, normalement. On ne peut pas bouger, mais ouais. Tu m'étonnes. Quelque chose nous repousse, eh oui. C'était la puissance de Dryade. Bon, on n'a rien à foutre ici. Ça, c'est le voilà. D'abord Lumina, Luna, l'ombre, et après il y a Dryade. Là il manque 4 magies. Donc pour l'instant je peux monter mes magies niveau 4 vu que j'en ai que 4. Et 4 graines que j'ai touchées avec mon épée. Putain, c'est le bordel! Putain! Chier concubitual que Barbara se présente. Bon. On va pisser là, ça m'a l'air bien. Ah, je crois que j'ai trouvé. On m'a donné un bonbon, je peux en avoir plus si je vais la voir aux ruines. Ah ouais, d'accord. C'est cool. Bon, pas si vous avez offert au château. Oh là là. Ah, comme je suis paumé. Là, je vais voir où je suis, comme ça au moins. Grâce au sauvegarde, ça me dit où je suis. Je suis à Nordia. D'accord. Donc, c'est à Asphidia que je dois aller. D'accord. Je me sens pas bien là.
t'es où, bordel de merde? Putain de merde. Je sais comment je vais faire. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais passer par les égouts. Et logiquement, si je dis bien logiquement, normalement j'arriverai à celui-là. Logiquement. Mais il est où le café? Oui, bah il est là. Château de l'Empire, mais putain c'est le bordel. C'est ça de pas regarder les solutions du jeu hein, avant de balancer le jeu. Moi ça me rappelle les bons souvenirs, les souvenirs de la galère. Déjà niveau 4, ça sert à rien alors si c'est déjà niveau 4. Par contre, elle, je sais pas si elle est niveau 3 avec elle. Ah ouais, niveau 3. Ah, petit niveau. Ah, niveau 4, j'ai entendu un niveau supérieur, ouais, magie niveau 4, Béa, oui, Béatrice la Poufiasse, Poufi, pour les intimes. Ah, elle a plus de magie, bon, de toute façon elle est montée, c'est bon. Ah, par contre, le Nabo là, Ticolo, il m'a monté les magies. Hein. Thank you.
Chantez l'arme au niveau supérieur. Oh, le 5 l'épée. On va voir ça. On va voir la charge. Ah ouais, c'est pas mal. Mais bon, ça, oui, c'est nul. J'espère que là je suis à Sudia, hein. Parce que si je suis pas à Sudia, moi je pète un câble. Comme ça je verrai où je suis sur la carte aussi, donc à faire avec le tour de la ville. Bon, allez, donne-moi ma clé, je suis sûr que c'est elle qui va me filer ma clé. Bon, on a surpris mon mari, bon déjà c'est bien. Elle est ici, je l'ai trouvée dans ses affaires, je l'ai changée avec plaisir contre mon mari. Quoi? J'ai pas trop compris, j'ai mal lu. Bon, ben voilà, j'ai la clé. Bon, en fait, j'ai pas fait ça pour rien, hein. Voilà, voilà, je suis content. J'ai piffé, c'était le bon choix. Alors c'est où ici? D'accord, maintenant je le saurai. Je pensais que c'était genre un truc du début. En fait ouais, c'est là. Le Nordia, je me retourne et je vais là. Au moment je le saurai. Hein. Bon maintenant faut que je trouve l'île dorée, mais elle est pas dure à trouver à chaque fois. Des doigts de Pékin et après on se barre prendre lumineur. Putain mais c'est la peau du cul quoi. Je sais pas où je vais faire de la thune, mais il faut que je trouve un endroit génial. Peut-être le palais de Lumina, justement. Je vais regarder combien ça donne de thune, mais ça m'a l'air d'être une très bonne idée. Gloire à l'Empire! Gloire à l'Empire! Oula! Je crois
j'en ai trop pris encore une fois. Trop de pétards. Peut-être en haut, il y a quelque chose. Ok, deux nanas aux cheveux jaunis, avec une tête à la con. Le roi, Midas, argent, argent, c'est tout à moi. Ok. Ok, ça a l'air d'être de la merde. Je crois qu'on va enlever le midaï, il n'y aura plus d'or. Enfin, je crois. Je me souviens plus. Je sais plus. Oh là là. Ah ouais, là j'aime bien. Bon, alors j'ai combien de soufous et d'expérience. Niveau suivant, c'est bon, je suis à 7000. Et les soufous, 5500. J'étais à 7000 hein, en XP. Donc ça veut dire que j'ai gagné 2000. Ouais, à peu près 2200. Donc 1100 par monstre. Hein, c'est si je compte bien. Donc c'est nickel. Et les pots, j'étais à 5000. J'ai 1900 en joue de mobs. Donc c'est ici que je vais farmer, bien sûr. Oh, une sphère de la lance. Par contre, pour faire vite, on va regarder s'il craigne. Hein. Faudrait peut-être que j'aille. Ouais, mais après, si je vais prendre Lumina, je pourrais plus les tuer eux. Bon, il faut que je config l'IA aussi, ça va faire chier sinon. Là, je sais pas du tout comment ils sont. Ah, là, c'est très bien. Et le Nabo, je suis sûr que c'est très bien aussi. Ah non! Voilà, je le voyais pas attaquer, je me disais, il y avait un problème. Ah, moi je veux du stuff, hein, là c'est important. Oula, piège fatal. Encore un point de vie. Mais c'est bien ça, ouais, je suis pas mort en fait. Ah putain. Bon, je vais aller voir s'il y a des mobs plus intéressants à tuer. Oh, lui, il craint Lumina aussi, je suppose, mais on va quand même regarder.
100 pots au total. Il n'y a pas marqué ce craint, donc à mon avis, n'importe quoi ça passe. Ouais, ça passe. Ah, lui il crée des trucs. Bon, bah voilà, on va faire ça. On va niquer les trucs qu'il fabrique. Ça, ça va être le meilleur farm possible, je pense. Pleureur. Ouais non ça va pas le coup. C'est de la merde. Je vais revenir. Ouais je sais pas. Faut peut-être aller voir un peu plus loin. Ah bon. Oh là 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 là. Ça va être compliqué là. Bon, revenons à nos moutons, on va le bourriner. Ah, il craint pas la magie, cet enfoiré. Là je me sens pas bien. Un 3 et on a fait claquer.
a vraiment abusé. Et merde! Bon, mais je suis grave dans la merde! J'ai même pas vu combien il y a de bêtises! Ah, 800! Ah non! Non! Mais non! Mais putain, c'est chaud! Hein. C'est la première fois que je joue autant ma vie là comme ça! Hein. Oh là, il est mort. Bon, merde. Putain, c'était tendu. Fouf. Bravo. Du coup, je peux plus farmer. Mais bon, on s'en fout.
Quoi? Je reste la fin des haricots. Je me disais, c'était un peu court. Oh. Bon, on se barre. C'est mort. Je vais réacheter des noix. Putain, Putain, rien que le boss de merde, il m'a fait galère. Alors c'est quoi le vrai boss, là? Bordel. Putain, j'ai oublié de boire mon cappuccino, du coup. Miam miam. Ah ouais, de 16 je passe à 29, la fille elle va faire mal là. Et là je mets au mec aussi bien sûr. Voilà. Bon, on va revendre les deux trucs bleus hein, tant qu'à faire, parce que là je suis vraiment en mode rapia. Merde. Oh ben là le mec et la nana ils vont faire super mal. Il reste plus qu'à trouver une auberge. Et je crois qu'ils font la peau du cul, je ne peux pas pouvoir. Ah ben si, j'ai vendu, c'est vrai. Ouais, 200 pots ça. Ah là là, qu'est-ce que j'ai envie de terminer cette partie 9 et me rouler un pétard pour faire la partie 10. Ah ouais, il y a une grosse différence là. Je la sens. Hein.
ça rigole plus niveau 31, qui connaît. Ah mais il est avec l'arc depuis tout à l'heure aussi, le pauvre. L'arc c'était pour le boss. Oulala, plus acide niveau 7. C'est un fou. Ah bon, on va farmer ça. Et merde. Waouh. Il a one shot le gamin. T'as one shot le gamin, mec. Ouais, oh. 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 C'est un fou. Mais les boss, ils sont spalés, ils sont super pétés là. Bon, il craint Sylphide, hein. De magie chétée. Il fallait que je le fasse. Du coup, je sens que ça va être la fin de cette partie 9, hein, de Secret of Mana, bécouille. Oh, bordel de merde. Oh, c'est long. Ouais, l'arc tout pourri, sphère de l'arc, c'est bien.
Ah non, c'est pas la fin de la partie 9. Ah si, on entend la musique péter, la musique, voilà. Nickel. Quoi de mieux que d'avoir le Mumida pour terminer la partie 9. Tous mes magies niveau 5 maintenant, et en plus j'ai Lumina. Ah ouais, d'accord. Je crois que j'ai sauté des étapes, mais tant mieux. Bon, je reviens dans 5 minutes. À tout à l'heure.